C'est rare de voir des choses aussi merveilleuses. On a Libé, ce média de gauche, qui a essayé de faire un reportage. Un journaliste de Libé lance un appel à témoins pour trouver des personnes noires et arabes qui veulent fuir la France à cause des discriminations très très méchantes. Sauf qu'ils n'obtiennent pas les réponses qu'ils attendaient. Et donc là, c'est Théo Mourabi, appel à témoignage. Pour Libération, je cherche des personnes diplômées ou en voie de lettres, noires, arabes, musulmanes, qui cherchent à quitter la France en raison des discriminations dans la société ou au travail. Donc c'est un gauchiste qui veut récupérer des témoignages de gens victimes de l'extrême méga giga ultra droite. Et du coup, on va regarder les commentaires qu'il a pu avoir, les réponses. Moi, je veux témoigner. Je suis métisse, France-Maroc, je suis bac plus 2 et je ne supporte plus la racaille importée depuis l'autre côté de la Méditerranée. Je pense même à franciser mon prénom afin qu'on sache que je n'ai rien à voir avec eux. Et du coup, il veut quitter la France à cause des autres. Ici, je suis musulmane non pratiquante. Je songe à quitter la France car je ne peux plus boire un verre de vin à une terrasse de café. Je ne peux plus manger dans la rue pendant le ramadan. Le problème est que je ne sais pas où aller car personne au monde ne peut me protéger. Merci. C'est génial! Moi, je veux bien témoigner par téléphone ou rencontre. Je suis arabe et je veux quitter la France comme Soraya à cause de la pression communautaire et religieuse qui est insoutenable en France pour les femmes maghrébines émancipées comme nous. Je suis diplômé bac plus 5. Et du coup, Libération, ils se sont pris une giga tarte de réédit dans la tronche parce qu'il n'y a que dans leur univers de gauchistes hein, que la droite elle est méchante, que les Français sont très très méchants, etc. Il n'y a que dans leur tête. Ils comprennent pas que les musulmans ils votent à droite en fait parce qu'ils en ont marre. Et du coup, ben, j'ai voulu voir le compte Twitter de Théo Morabi pour voir plus de réponses. Donc regardez, il a posé la question le 16 avril 2024. Donc je suis sur le Twitter de Théo Morabi. Il a fait un tweet le 14 avril. Et après, plus rien. Et pourquoi il n'y a plus rien? C'est parce qu'il a supprimé. Il a supprimé sa question. Il a vu qu'en fait, bah, les questions n'allaient pas dans son sens. Et du coup, hop, suppression, ça n'a jamais existé. C'est pas grave. Mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Vraiment, j'en ai des larmes de rire. La Minute Info, un excellent youtubeur qui répond: j'ai jamais vu un truc aussi merveilleux, MDR. Pourquoi pas un appel de témoignages de blancs qui veulent fuir la France à cause de l'insécurité? Les arbres en ont plein le cul des arbres. Il semblerait que des QI élevés et moyens, avec des origines étrangères ou non, ne supportent pas trop le vivre ensemble avec les bas QI. C'est de notoriété publique que le pire de tous les pays méditerranéens atterrit chez nous. C'est pour ça que l'Algérie ne veut pas récupérer les OQTF algériens. Après, il a demandé des diplômés. Déjà, c'est pas le bon critère pour trouver ce qu'il cherche. Bien fait pour sa tronche. Ils ne comprendront donc jamais que nous sommes nombreux à en avoir marre. Il a supprimé son poste. Triste constatation dans différents pays du monde où passe le flot anarchique trépassant le paysage d'origine. D'ailleurs, tous ces témoignages indiquent un malaise, même chez les anciens. Après, 62 qui ont des descendants, évidemment, ont très honte de cette faune sauvage qui réinterprète les textes au nom d'un dieu. Il tue des enfants, des mères, des innocents, des victimes de représailles, de déséquilibrés qui mettent leur déviance au service des démons. Car quel dieu ordonne à ses disciples de recourir à la terreur, à la peur, à des sévices, sacrifices, traumatismes, des meurtres, de l'abus, des choses que je ne peux pas dire sur YouTube, de la torture, etc. Liste non exhaustive pour inciter à croire à ce qui est décrit comme un dieu de paix et d'amour. Alors comment les disciples peuvent-ils interpréter les écritures différemment? Je comprends aussi que de plus en plus de personnes deviennent athées, et ce, peu importe la religion de leur famille. Ils ont tellement honte de ces nouveaux éléments pseudo-religieux, même les vrais musulmans qui pratiquent en privé se moquent d'eux, et ils ne veulent pas les laisser détruire leur pays et abandonner leurs enfants nés sur le sol français au contraire. Certains sont dégoûtés du message porté sur le boucher Bic, il a été séquestré, battu pour un bout de saucisson. Mais qui peut faire ça pour t'inciter à croire à sa religion? C'est effrayant. Ok. Ensuite,
On va regarder quelques faits divers. Là, c'est Emmanuel Macron. Donc je vous rappelle que notre gouvernement cherche de l'argent. Il taxe toujours plus les Français. Le pays n'a plus de thunes. Hein. Ils veulent augmenter les impôts, ils veulent taxer les rentes bientôt. Et pendant ce temps, l'Élysée veut acheter 11 000 bouteilles de champagne pour les cocktails et réceptions des 4 prochaines années. La méga commande de champagne de l'Élysée. Et c'est pas du champagne de merde hein, qu'ils vont prendre. Hein. On peut tabuler sur 100 € la bouteille, d'accord? Multiplié par 11 000, ça fait 1 100 000 euros. Juste pour boire. Payé par les impôts des Français. Il faut bien comprendre que pourquoi le gouvernement n'a plus de thunes et cherche à taxer les Français. C'est parce que le gouvernement n'a plus assez d'argent pour faire la fête tous les jours, acheter des champagnes, des jets privés, des yachts, etc. Et du coup, bah, pour compenser, il faut taxer plus les pauvres. Et plus les pauvres sont taxés, plus c'est pour compenser la consommation des ultra-riches au gouvernement. D'accord? Et ici, on a Anne Hidalgo, qui est absolument incroyable, qui menace les terroristes. Oui, Anne Hidalgo chope le taureau par les cornes et va menacer les terroristes. Elle va dire... Ceux qui veulent nous faire du mal, ils sont vraiment pas les plus forts. C'est pas une blague, hein, c'est mot pour mot, c'est ce qu'elle va dire. Premier degré. Faire confiance à toutes ces équipes qui sont en train d'œuvrer pour que la fête soit belle, pour qu'elle ne soit pas gâchée, et pour que le message qu'on envoie à ceux qui voudraient nous faire du mal soit que finalement, ils sont vraiment pas ni les plus forts, ni ceux qui pourraient empêcher cette fête de la fraternité que beaucoup, beaucoup attendent aujourd'hui. Faire confiance. Voilà, donc les terroristes, c'est pas les plus forts. Attention. Anne Hidalgo, elle est plus forte encore que les terroristes. Donc là, je peux vous dire que les mecs, ils doivent trembler de peur. Hein. À mon avis, là, ils sont en PLS dans leur tente, d'accord? À mon avis, ils ont déposé toutes les armes. Les ravages du gauchisme, la mollesse, la permissivité, la cajolerie et la petite tape sur les mains sur les troubles faites. Elle consomme trop de sandwich. Je pense qu'ils ont peur. Comment cette femme a pu être élue? Oui, Niaiserie & Co. On connaît la dame qui se promène sur la dette de Paris et nous distille ses niaiseries de bulots attardés dans tous les coins du monde. Comment a-t-on pu en arriver là? Il y a de la refonte dans l'éligibilité à faire. Un drame. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera en référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!